Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est The Death, c'est la mort est à mes pieds. Aujourd'hui, on se retrouve pour la survie. Et oui, encore et encore avec The Long Dark, c'est la nuit complète. Alors la nuit qui n'en finit plus parce que j'ai allumé ma petite torche. Mais j'ai pas beaucoup de gaz, alors je vais pas trop non plus le faire aller. J'ai voulu faire un feu de camp, ça n'a pas marché dehors. À l'intérieur, ça ne marche pas non plus. Ça va être un peu showtime, hein. Je vais essayer de passer le temps, mais mon gaz, je suis obligé de l'éteindre avant de pouvoir continuer l'aventure, les amis. Je fais une ellipse et je suis à vous tout de suite. Les amis, alors je suis encore dans le noir total. Le jour vient de se lever, mais je ne vois strictement rien. Alors, voilà, ça sert hein, ce petit truc, hein. Il faut trouver un petit peu d'huile, je pense. Je sais pas, c'est le combustible. Donc ici, j'ai une petite réserve. Alors, moi, je vais dans les toilettes, mais encore mieux ici, quoi. Oh là 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 là, je vous le dis. Le jour va se lever, on pourra vraiment se déplacer un petit peu plus, je pense. On va éviter quand même d'allumer sa torche dehors. Et quand on est obligé de survivre, on voit jusqu'au bout. On ne cherche pas non plus à vouloir se faire manger, mais bon. Alors la nuit est peut-être plus dangereuse que le jour, je sais pas du tout. C'est la première fois que je vais essayer de me déplacer comme ça. Alors moi, je suis complètement à la ramasse. Faut savoir que là, je suis... dubitatif de ce qui se passe. Voilà, on voit un petit peu que le jour s'est levé. Petit camp brûlé. Je peux pas. J'ai un petit peu de faire un feu. J'ai pas de charbon, j'ai pas de torche en fait. Le problème il est là, les amis. Je fais un feu de camp, mais pour rien. C'est ça le problème. Je fais un feu de camp pour rien. Et ça m'embête un petit peu quand même. On va se diriger vers le mur que j'ai vu, une sorte de déboulement de pierre et de neige. Ah, ça a du mal. Le bois a pris l'humidité, le vent n'a... Ah! Quelle chiotte. Je peux pas prendre de charbon? Puis en plus, mes allumettes, j'en ai plus beaucoup, les amis. Je suis en train de les utiliser à mort. Bon, bah, je vais continuer. L'impression de pouvoir marcher un peu plus vite sans pouvoir vraiment marcher plus vite. Parce que je suis toujours aussi lourd. Est-ce que je vais trouver quelque chose ou pas? Il y a un chemin alors, on dirait un chemin, je pourrais remonter. Je laisse quelques traces sur mon passage, mais c'est pas grave. Je vois un bus. D'accord. Dresser une carte. D'accord, ça c'est donc c'est une sorte de route. D'accord. Bon, on a marqué un petit peu la route. Comme ça, on développe un petit peu la carte en même temps. Développons. Moi, je voudrais épave de transport de prisonniers. Oula. Ah, j'en ai déjà un, petit biche. Je ne peux pas l'ouvrir. D'accord. C'est de l'épave, donc, d'un bus. Je ne peux pas ouvrir. Et je viens trouver des... petites pierres. Prendre. Je vais en équiper d'un. Ça peut effrayer peut-être les loups. Viser. Voilà, et lancer. Au cas où j'ai 3 cailloux sur moi. Bon, on sait qu'ici c'est foutu. Hein. Regardez, on voit les sapins complètement à la ramasse. J'ai pas vraiment froid pour l'instant. Ma faim et la soif, ça fonctionne. Ma vie, elle est au plus haut. J'ai de la vitale. J'ai de quoi faire un feu de camp. Je me déplace de 1000 tonnes. Je vais essayer. Je ne promets rien. Je prends un petit bout de bois. Je remarque rien en particulier pour l'instant. Un lapin. En face de moi, les amis.
Bien sûr, si je vous le dis, c'est que c'était en face de moi. Là-bas, je vois une maison, je vois une sorte de cabane. Une Jeep. Donc là, on est derrière la station service. Et ce que j'entends ne me rassure en rien. Parce que je viens d'entendre un loup. C'est vide. Pourquoi pas? Hein, franchement. On va essayer de sortir là. C'est le lapin qui fait du bruit. Je vais me mettre en hauteur. Je fais peut-être une mauvaise chose, les amis, mais il faut me le dire en commentaire. N'hésitez pas. Vous êtes maintenant nombreux et nombreuses à me suivre. Je vais me diriger par là parce que je vois le loup, il est juste derrière moi. Je pense qu'il m'a senti. Le parc de Milton. Le loup, il est juste en bas, les amis. Je l'ai vu en bas, tout près de la station service. Il faudrait juste que j'arrive à courir, mais je ne peux strictement pas courir. Je garde le pied de biche, je garde la hache. Et au cas où, j'ai un caillou. J'espère qu'il m'a pas reniflé. Il était encore assez loin. Oui, encore une nuit de passée, ouais. Alors, il faut savoir qu'un feu de camp les attire. Oui, la chaleur, l'odeur de la fumée. Ça, on va laisser les boissons ici. J'en ai. Ça, c'est bien ça. Je prends un accélérateur, les amis. Je veux trouver, les amis, un fusil. Je n'ai pas encore trouvé. Regardez, mais qu'est-ce que je suis bête. Mais regardez. Je veux trouver un fusil, qu'est-ce que je trouve? Oh là là, le fusil. Oh, lucky day. Yes, les amis, yes, yes, yes. 5 cartouches. 5 cartouches, ça se prend. Donc les loups, on va leur faire les tripes. J'espère m'en sortir avec ce que je prends, les amis, parce que franchement... J'ai beaucoup trop de choses sur moi. Et la station service est trop loin. Et j'ai vu ce qui m'apparentait à un loup. Bon, il y a un lit. C'est quoi de ça, les amis? Nécessaire nettoyage pour fusil. Je prends. Par contre, le fusil, j'en ai vraiment besoin. Alors, faut le sélectionner. D'accord. Arme. Recharger. Oh, j'ai une cartouche complète de 5 balles. Yes. J'espère que c'est pas trop difficile à tirer. Ce que je voudrais là maintenant, c'est... Oh là 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 là. Je suis trop lourd. Bottes de marche. Des bottes de randonnée robustes, conçues pour les longs trajets sur terrain rocailleux. Elles sont dotées d'une tige en cuir et reposent sur une lourde semelle en caoutchouc. Elle pèse 1 kg, les amis. Je vais les laisser. Je vais juste vérifier les miennes. Combien qu'elles pèsent? Elles pèsent 50. Et les autres? Ouais, ouais, c'est énorme. Et les vêtements, ça nous renforce. Certes, pour la chaleur et tout ça, mais le poids, il est abusé. Il est abusé, quoi. Ouais, le poids ici est abusé. J'aimerais, les amis, moi, me faire me débarrasser de certaines choses inutiles, mais je sais pas quoi. Parce que pour moi, tout est utile, en fait. Le problème, il est là. Pour moi, le problème, il est là. Il est constant. Mon poids est à 49 kg. Je peux en porter jusqu'à 30. Et c'est abusé, quoi. C'est abusé. J'ai 3 kg déjà de trop, là, de bois. Je vais en tirer 10. 46 kg déjà d'économiser. C'est 1 kg le bois de chauffage de la cèdre. Bois de calories.
charbon. C'est énorme, hein. Ça paraît pas comme ça, vous voyez pas. Et la hache, c'est quoi? Ça coupe, ça. Ouais, ça coupe le bois, oui, je suis obligé de le garder. Le fusil, c'est pareil, quoi, c'est abusé. Une loupe, à quoi elle sert, une loupe? Je suis désolé. Ah, c'est pour les feux de camp, bah oui, pour allumer si... C'est impossible d'allumer un feu avec une loupe. Puis une biche, c'est pareil, c'est lourd tout ça, hein. Ça pèse, hein. Ça pèse. J'ai 4 kilos de tissu, quoi. C'est énorme. 4 kilos de tissu. Je vais en tirer 35. 42 kilos que je pèse encore, quoi. Bordel. Et tout ça, j'aurais pu mettre dans la réserve de la station-service. Mais quand j'ai vu ça, voilà, quoi. C'est abusé, quoi. Un pull de... Faire 9. Kit de nettoyage. C'est un peu moins lourd. Mais pas plus moins lourd que ça, quoi. Le jour, c'est bon. Il faudrait que je retourne à la maison et que je puisse revenir ici, les amis, en fait. Le problème, il est là. C'est que la maison, elle est très loin maintenant. Cette réserve que je me suis fait de munitions et tout ça, tout est là-bas. Après, je pourrais revenir, mais... Voilà, quoi, je veux dire, c'est... Il y a une corde. Espace pique-nique. Certes, un espace pique-nique. Une boisson, mais je la prends pas, j'en ai déjà sur moi. J'ai de quoi boire, les amis. Bon, écoutez. Je vais pas vous dire, mais là, franchement, je commence à avoir un doute énorme de ce qui se passe. Oh, le lac gelé, quoi. Le lac gelé. Il peut y avoir des choses ici. Mais je vais être épuisé si je remonte. Comment je fais pour descendre déjà et remonter après? Ah, il faut vraiment que je rapporte tout ici, quoi. D'accord. J'ai compris. Donc, il y a une station ici. Bon. Le loup. Je me méfie du loup qui était là-bas. Apparemment, la température descend. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Qu'est-ce que tu as? Apparemment, j'ai froid, mais je ne sais pas pourquoi. Je peux pas descendre comme je veux. Ça, c'est Milton. Je suis bien, en fait, ici. Je veux pas trop bouger. J'ose pas trop m'éloigner. Faut comprendre qu'un endroit comme celui-là, il est encore assez bien parce que on est bien. Je peux me prendre de la peau. Les températures de mon corps descendent encore, les amis. Est-ce que c'est du fait de mon bonnet? Est-ce que c'est du fait qu'il me... Serait où le loup? J'aimerais lui tirer dessus, les amis. Il sait que je suis là. Je suis en hauteur, je suis dans la capacité de pouvoir le tuer. J'en suis sûr. Par contre, le parc, il est pas énorme. Je pensais qu'il serait plus énorme que ça, mais il n'y a rien d'autre. Quand on parle d'un parc, on parle d'un vrai parc. Et par là, je ne peux pas y aller, il n'y a rien. Le lapin.
Oh mais la visée, regardez comment qu'elle bouge. Non, même pas, j'ai gâché une balle, bon. Le loup, il est là-bas. Le loup, les amis. Est-ce que je vais y arriver? J'ai un fusil maintenant. La station service est pris. Est pris d'assaut par le loup. Le truc de meilleur ici, les amis, c'est que... moi, comparé à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, j'ai pu m'en sortir. J'ai passé déjà 4 nuits. Et en vrai, franchement, des gens ne passent pas 4 nuits. Secteur boisé. Moi, ce qu'il me faut là maintenant, c'est pas des loups. C'est simplement de retrouver ma maison et de pouvoir poser tout ce que j'ai. Je vous rejoins, les amis. Après tout ça. Voilà, les amis, je viens de retrouver quelque chose. Je sais pas c'est quoi, je collecte. Un grand champignon arboricole cosmétique qui pousse principalement sur les conifères. On peut en faire un thé aux propriétés antibiotiques. Je prends, les amis. J'ai pas marché longtemps, hein. C'est parce que j'ai trouvé, en fait, derrière la forêt qui est ici, des maisons. On va y aller après. Je viens de retrouver un chemin encore derrière la maison et une hutte là-bas, regardez. La hutte qui est là-bas. On ira après, les amis. Là, pour l'instant, je traverse une sorte de petit lac. J'ai entendu un loup. Alors, j'étais bien placé. J'ai bien fait de pas m'avoir tellement éloigné de la maison. J'y suis là. Il y a la station service et tout ça. Je reviendrai donc prochainement derrière. Parce que derrière moi il y avait toutes ces choses que je vous ai dites. Et je regarde toujours derrière moi s'il n'y a pas de loup. Je sais plus si j'étais dans le post office. Je pense que si. Je ne serai pas là. J'ai encore croisé des champignons mais je les ai pas pris. Voilà les amis. Pardon. Après avoir passé quelques instants, voilà que je puisse enfin voyez en haut à gauche, je suis à 29,99 kg que je peux porter. Et je suis à 28,44. Donc pour moi c'est mieux parce que là franchement j'en pouvais plus. Littéralement. D'avoir autant de poids sur moi. Je vais prendre des billets, c'est le plus léger que j'ai pour allumer un feu en fait. C'est ce que je viens de remarquer. Les livres, c'est mort. Moi je prends pas les livres. C'est trop lourd pour moi. Je vais prendre les choses légères, utiles. Qu'il faut pas nécessairement. Voilà. Avoir tout le temps. Ça c'est des rouleaux de journaux. Je vais laisser parce que de toute façon ça fait une tonne. Moi ça me sert à strictement à rien. J'ai repris des allumettes, j'en ai pris 10. Après les antibiotiques, j'en ai 7 sur moi là. C'est trop abusé quoi. Pareil quoi, les antibiotiques je peux n'en prendre que quelques-uns mais moi voilà quoi, j'ai pas besoin de tout ça quoi. Les antibiotiques j'en ai là quoi. Je veux vraiment les... Non la vie j'en ai besoin par contre, ça tu me le rends. Ça la vie c'est la vie quoi. J'ai quelques boissons, j'ai quelques trucs pour survivre, on peut encore sortir et voir ailleurs. C'est pour ça, là il va faire bientôt nuit et je me prépare vraiment à l'apocalypse là. Je vais prendre un petit peu de bois peut-être. Non j'en ai pas là-dedans. Là-dedans peut-être. J'ai pas forcément besoin là tout de suite. Non bah écoutez. De toute façon j'ai ma lanterne. On y va. Allez on sort. J'ai mon fusil. On est paré. Alors j'ai fait une bonne ellipse pour pouvoir vraiment baisser mon poids et pouvoir courir. Parce que oui, courir c'est la vie. Et là je peux littéralement courir. En faisant bien sûr attention à ce qu'il y a dans les environs. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé quelque chose derrière. Heureusement qu'on m'entend pas parler. Regardez les champignons, il y en a sur les arbres, mais c'est des sortes de... On va dire de... Ah, il y a des corbeaux, c'est qu'il y a un mort. C'est que s'il y a un mort, c'est qu'il y a automatiquement un loup pas loin. Je me précipite là où il y a la mort. C'est peut-être pas forcément bon.
Ancienne école. Bah oui, bah, vu l'état du lieu. Il y a de la mort dans le coin, les amis. Il y a la mort ici, regardez, il y a un mort. Il y a un cadavre. Fouillez cadavre gelé. This will come in handy. Un petit facot ou un facot matériau inflammable. Du papier. Oh, le pauvre, il a gelé sur place, quoi. Je peux pas me baisser. Oui, je peux me baisser. Ça, c'est du charbon. Je peux faire une carte, les amis. Alors, je vais me mettre ici. Je peux me planquer ici, même. Franchement, je pourrais me planquer ici. Alors, le charbon. Attendez. Je vais prendre le charbon parce que je peux faire une carte. Ça serait très utile. Dresser une carte. On va agrandir la ville. Je suis... Dresser une carte. Hop. Voilà. Alors, Milton grandit. Je vois des choses. Ah, ça c'est bien, je vois des choses. Et ça je préfère, les amis, parce que là franchement dézoomer c'est Y. Voilà, je commence à voir des choses. Et ça c'est bien, c'est tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors ici il y a des choses. Des barbes de Jupiter. Qu'est-ce que c'est que des barbes de Jupiter, les amis? Qu'est-ce que c'est que des barbes de Jupiter? C'est ça? Collecter des barbes de Jupiter. Barbe de Jupiter, un lich typique de forêt vierge du nord-ouest du Pacifique. Je sais pas quoi faire avec. Mais j'en prends. Peut-être pour faire du tissu aussi. Et pour allumer un feu. Non, par contre, je vais prendre mon fusil. Les corbeaux me fichent les jetons. Littéralement, je peux courir, je profite de courir. Quitte à faire épuisement, je cours. Il y a de l'eau là. Il y a de l'eau ici. C'est qu'on peut pas faire des barrages. Vous savez, pour filtrer un petit peu les loups et tout ça. Ah, je sais pas où je suis, mais je vais dresser une carte. Je dois être à peu près ici. Des cerfs, les amis, des cerfs. Redresse, redresse ton arme. Redresse, redresse ton arme. J'ai eu. Je suis sûr que je l'ai eu. Il doit bien être forcément quelque part. Bon, moi je me fatigue, les amis. Littéralement, mon bonhomme se fatigue. Vous pouvez le voir, je me fatigue. Il y a une grange là-bas, je vais à la grange. Le vent monte. C'est pas forcément bon quand le vent il monte. Je sais pas si je l'ai eu. Ah mince! Il est passé à côté de moi au moment que je tirais, les amis. Ah, ça aurait été l'idéal. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas m'en vouloir pour autant. Je l'espère pour vous, les amis. Parce que là, je me suis coincé. Et il y a une tempête. Je suis fatigué. Heureusement que j'ai fait, on va dire... un petit coin à moi, je visite les lieux.
Il me reste combien de balles, je ne sais pas. Et je suis toujours, toujours coincé au fin fond. Et je vais me faire un feu ici, les amis, littéralement. Bah, il y a un feu ici aussi. Prendre combustible pour l'enfer. De la ferraille. Un couteau de chasse. Puis bûche, on va laisser. Et un établi. Alors les amis, là je viens de trouver quelque chose de remarquable, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et oui, c'est comme ça, bah bien sûr. On ne peut pas tout toujours avoir. Et ça, mèche de barbe, je peux faire quelque chose. Barbe de Jupiter, mèche en barbe de Jupiter, une mèche médicale à base de barbe de Jupiter à appliquer sur une plaie pour mieux lutter contre les infections. Fabrication en cours. La fatigue prend, le vent monte. Je suis pas forcément à l'abri ici. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, les amis. C'est pour ça que je vais prendre mon sac de couchage. Et je vais le poser ici. Allez, zou les amis, gros bisous. Et ciao, bye bye. Soignez-vous bien. Et surtout, commentez, likez, partagez. Mais abonnez-vous en tout premier lieu. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, zou.